Et alors, tu viens d'où, toi? Birmingham. Hein? Je viens d'Angleterre. Ok, yes, cool. Tu connais l'Angleterre? Yes, I go to Londres, lot of années ago. Hein. Ok. Bah, c'est pour ça que je parle anglais d'ailleurs. Effectivement. Bon, after, it's more easy d'apprendre l'anglais pour un français que tout doux l'inverse, you see? Pas très bien. On peut parler français si tu veux. Ouais, bah en fait, je te dis que tu pourras prendre tous les cours du monde, hein. Tu parleras jamais parfaitement français comme moi. Ouais, c'est vrai que le français est une langue, comment vous dites, vernaculaire, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une langue vernaculaire. Alors que l'anglais est beaucoup plus prosaïque et... Alors, tu travailles dans quel secteur? Dans la politique. Eh ouais, je suis conseiller municipal, moi. Ah, intéressant. Tu dois avoir des prérogatives particulières. Des quoi? Des prérogatives. Prérogatives. Oh, c'est chaud, on comprend rien ce que tu dis, là. J'essaie de travailler mon accent, je suis navré. Ouais, bon, après, tu sais, c'est pas parce que tu connais quelques mots avec plus de trois... De syllabes. Ouais, syllabes, syllabes, qu'il faut faire le... Mariole? Le mariole. Après, tu sais, c'est encore moins le français dans la bagnole, hein. Tiens, bah tu sais quoi? Eh, passe-moi le thermogriche, là, s'il te plaît. Le quoi? Le thermogriche. Je suis navré, je sais pas ce que veut dire thermogriche. Oh bah bravo alors, hein, hein. On parle pas si bien français que ça, hein. Si ça t'incommode pas trop, je vais faire un tour dans les bois de Morphée. Dans quoi? Moi dormir, ok? Ah, yes, aye, sleep. Wow, c'était mon épisode de Cocovoid préféré. Il m'a vraiment fait réfléchir à dire adieu à Gary Cooper. Si toi non plus tu n'es pas prophète en ton pays, tu peux partager cette vidéo. Enfin, pour que ton bonheur soit complet, abonne-toi à la chaîne Cocovoid. On publie 2 épisodes par semaine.